What am I working? What am I doing? Never reach. Hallelujah. Saint God shows the good things. That can get envy. Alléluia. Amen. C'est une bonne chose d'avoir cette parole de Dieu. Amen. Alléluia. Quand un homme de Dieu vous prêche la parole, la Bible est comme notre boussole, notre guide. Nous devons vérifier ce qu'il dit là et conforme à cette parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu. Comprenez? Amen. Nous allons partir dans Ésaïe 54, verset 17, et descendre en bas. Nous allons voir ce verset. C'est Dieu, ça nous fait la vie bien. Elle va, vous serez délivré. La délivrance ne dépend pas de Dieu. Ça n'est pas de Dieu. Amen. Non. Moïse a dit au peuple d'Israël. Pourquoi les mimer? Gardez le silence. Car l'éternel nom de Dieu combattra. Elle ne veut pas parler. Elle va partir. Et ça, je ne dis pas ça comme ça. Le cœur que j'ai, c'est plein de compassion. Si vous voulez, prenez ça comme vous voulez interpréter. Dieu est un feu, il est amour et un feu dévorant. Ce n'est pas moi qui ai, c'est Dieu. Pourquoi il dit, je vais me dire sur le cœur de Pharaon pour le tuer. Lui-même dit à Moïse, je t'envoie vers quelqu'un, mais écoute, il sera en duci à tel point que ça va le conduire à la mort. Quand vous voulez que quelqu'un parle, il ne veut pas se repentir. C'est aussi un plan de Dieu. Quand vous priez pour une situation, que vous voulez que ça n'a pas changé, c'est aussi un plan de Dieu pour vous. Ah oui. Si Dieu veut que la femme parle de ta vie, parce qu'elle ne t'arrange plus, il ne règle plus la situation. Il a fait sortir de ta vie. Tu as prié, Seigneur, que ta volonté soit. Donc, regarde ce qui se passe. Prends-la comme la volonté de Dieu. Il ne faut pas donner une autre interprétation pour dire à Dieu qu'il n'a pas été capable de régler le problème. Le problème en tant qu'être réglé selon lui, pas selon toi. Jésus dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, que ta volonté soit. Le oui est la volonté de Dieu, le non est la volonté de Dieu. Dieu trouve bon que la femme parte, laisse la partie. Dieu trouve bon que le monsieur parte, laisse le parti. Parce que Dieu trouve qu'il doit partir. Moïse part et Dieu lui dit, le monsieur là, je vais en toucher son cœur. J'en distrais le cœur du pharaon pour le tuer. Tu vas tomber. Vous priez pour quelqu'un, vous voulez aider une personne qui ne veut pas changer. C'est un plan de Dieu. Il y a des gens qui ont encore une délivrance. Vous dites pas amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes plus amour que Dieu. Qui touche le cœur, c'est Dieu. Celui qui dispose le cœur. Un cœur est pas mal de Dieu. Si la personne qui a changé ça, c'est lui qui a mis son cœur comme ça. Dieu dit, va, il va discuter avec toi, il n'a jamais changé. Par contre, il va là. Mais je vais le tuer. Parce qu'il y a des moments, il y a des gens qui ont fait des choses. Dieu n'aimerait pas qu'ils se rendent. Thank you.
français qui répond le livre. Levez le doigt. Oui, il y en a un derrière toi. Il y en a un derrière toi qui veut prendre le livre. Hein? Le livre? Toi? Non, l'autre. Le monsieur. Il est où? Là. Là, ok. Faisons ça un peu aussi. Tout à l'heure, hein? On a l'occasion de faire ça tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure. Amen. Nous allons lire la parole rapidement et puis nous allons passer parce qu'on est reçu par l'oreille des gens qui font les livres, tout ça. C'est ça vos histoires de Paris. Là. Chez nous, l'on peut rester jusqu'à 9h20. Ah, nous, on en va. On est dans notre niveau, on fait nos veillées. Mais ici, vous regardez mon sommet. On parle, c'est mort. On parle, c'est mort. Chacun a son petit dossier. Il y a mon petit. Oh là où je suis, mais là, trop inspiré. Je peux prêcher quand vous avez réussi. Amen. Allons-y rapidement dans la parole de Dieu. Ésaïe 54, à partir du verset 17. Vous descendez après le verset, juste en bas aussi. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Comprenez? Contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia! Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Alléluia! Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Alléluia! L'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia! Elle est pleine de bonnes choses, la parole de Dieu. Elle est pleine de bonnes choses, la parole de Dieu. Dieu, au travers de la bouche d'Isaïe, est en train de prophétiser, rappeler des choses aux enfants d'Israël. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes le peuple d'Israël. Par le sang de Jésus-Christ, il nous a greffés à ce peuple. Et cette parole, nous sommes concernés par cette parole. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, il fait de toi son fils. Selon la parole de Dieu, dans 1 Jean, Jean le chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Et la Bible dit que cela ne dépend pas de toi, mais de Dieu. Le fait que tu sois enfant aujourd'hui de Dieu ne vient pas de toi, mais Dieu. Et ce fait qu'il va plus loin pour dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour vous établir. Est-ce qu'on peut attendre, Seigneur? Tu ne sais pas comment tu es né, tu ne sais pas quel fait de démon tu as fait, mais tu es rentré dans une famille. On t'appelle le matin Crasso, on t'appelle le matin Zadi, on t'appelle Tibé. Tu es déjà dans la famille. Amen. C'est pas toi qui choisis. Sinon, chacun l'a choisi. Qui est fou? Tu as le maillot banal brisé, elle est rouge, comme des génies matrices. Et alors, quand c'est la moitié, il le papa, il se lève matin. Mais des pains de bois pour eux. Les bois se sont recouchés. Ils mangent. Recouchés les doigts. Je vous apprends comment on fait ça. Vous verrez aujourd'hui. Mettez la sauce en bas, le riz là-dessus. Pour que la terre brûle un peu, restez tranquille. Et l'autre, si amen, le déjeuner est garanti. Amen. Si on choisissait par là,
Oui, mais je vis de très malade. Pour les maîtres, Anango Baka. Est-ce que vous comprenez? Anango Baka. Ça dit qu'on prend pour les maîtres, il n'y a pas suffisant. Gobelet, élite. Madou, il pleure, il dit. Ta maman, il reste tranquille, je connais les médicaments de sa mère. Laisse-moi répondre. Madou ne veut pas. Je connais les médicaments de sa mère. Elle a 30 Madou, c'est un ami. Ah, vous ne connaissez pas ça? Ah ah, on est ça, on connaît. Tu vas quoi, Madou? Tu peux être Madou, tu vas quoi? Pas de Madou. Quand il pleut, ça sonne dans ses narines. Il dort. Il va 18 heures. Normal, il est pour préparer Kabato. Elle sort sa régie d'être à vous. Tu n'as pas dit qu'il pleure. Oh, je vous complète chocolat. Chocolat. C'est la frigo. Biscuit. Biscuit. Anango Baka. Il ne peut pas rester. Mais s'il reste, il va boire. Donc, pendant qu'il dit, ça rentre. Madou, tu vas boire. Madou, tu vas boire. La vie est fâchée. Nous, la personne, elle donne un prix. Elle donne. Baka, la prix. La prix. Le petit même. Il est fatigué de pleurer. Il vomit. Il va laisser le tester sa voix. Il a vu les cris, mais arrêtez les voisins. Mais Marie, lui-même s'est dit, assis et continue, mon cerveau, c'est la même. Il ne pleut plus. Sommet de sa vibrée. Marie se réveille du cerveau. Lui-même le dit, mon cerveau, il va être au lit, non. Il a déjà pleuré dans mon ventre. Hey. Non, maman. C'est pour aller chercher l'argent. Toi, tu es là, mais elle est mal, tu t'es toi. Mon papa m'a donné 2000 francs. Il dit c'est ce qu'on appelle fonds de caisse. Mon parent, ils sont dans le jardin. Donc, mal, tu je cours. Mal, tu fais pleurer. Elle dit je connais mes diminuants de ça. Madame Boubaka, tu vas avaler. Tu vas avaler ça. Gobelet de ça. Elle se met par elle. Et puis la traque arrive. Et puis elle dit, madame, après c'est bien. Il va moi. C'est dit pour la tapis. Pour la tapis. Le petit est têtu. On a plus bouche là. On a pas. Ah, bonus même c'est bouche à la vie. Maintenant tu t'as mis. Ah. Hein? T'as tout maintenant. Est-ce qu'on va l'aider? Sommet de ça, c'est 19h. Ma vie est là, toi, elle est là, il m'a dit. Elle est à l'Italie. À peine elle est suivie, non. Fais dormir, ma vie, aller chez la vie. Sinon, on allait chercher chacun son papa. Je voulais en dire, comment je suis ici, comment je suis, comment je suis, pardon, comment je suis, chez nous. Tu as demandé, l'enfant, pardon. Il a fini le plan. L'enfant, mais tu le regardes, tu sais que c'est un mangeur. Il t'a fini tes plans. Donc, on ne choisit pas. Ça s'impose à nous. Donc, Jésus dit, c'est lui qui nous a choisis. N'est-ce pas? C'est ça que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Qui est convaincu qu'il est enfant de Dieu? Alléluia. Qui est convaincu qu'il est enfant de Dieu? Ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous bénisse de toute grâce. Je vous bénisse de toute grâce. Être enfant de Dieu. Alléluia. Je vous bénisse de toute grâce. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le mariage de la foi, ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie.
t'a sauvé par pure grâce. Et dans cette conviction que tu ressens en toi, il te dit que tu es enfant de Dieu, et ça vient de Dieu, et c'est pas faux. Il fait la grâce à qui il veut. Amen. Le jour où tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Or, étant enfant de Dieu, la parole de Dieu doit s'accomplir, les promesses de Dieu dans ta vie. Alors Dieu dit, toute arme forgée contre toi sera. Comment comprenez ça? C'est-à-dire si le diable a préparé l'accident contre toi, ça sera ça. Je ne vais pas savoir comment le fait que tu es enfant de Dieu. Et que tu crois que tu es enfant de Dieu. Ce que le diable prépare dans le secret, ne crois pas ta tête. Amen. Amen. Il dit tout à forger contre toi sera. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. C'est pour ça que quand les gens s'élèvent pour déclarer les choses contre vous, condamnez-les-là. Ça veut dire que non, ça n'arrivera pas. Dis amen. Si tu fais un rêve pour dire on t'a vu un rêve, derrière l'accident, tu dis c'est vrai, mais l'accident n'arrivera pas. Amen. Ça ne pourra pas m'atteindre. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Attache-toi les promesses de Dieu. Et vous allez voir que le diable va commencer à vous faire douter de votre éternité d'ailleurs. Le diable va vous ramener votre passé pour vous faire croire que vous ne pouvez rien. Vous n'êtes rien. Si, tu n'es rien, moi. Mais Jésus-Christ m'a justifié. Amen. J'ai été justifié par le sang de l'agneau. Dites ça au diable. Parce que maman, il vous culpabilise. Vous faites croire bien à toi, là. Voyez ce qu'il faisait à moi. Jésus dit il est venu pour les péchés, il n'est pas venu pour les justes. Pour ça qu'à Jéricho, il allait loger, se jacher. Le plus méchant, mauvais, c'est celui qui allait dormir. C'est tout. Il n'est pas allé dormir chez un pasteur à Jéricho. C'est chez jacher le plus péché. Tout le monde savait qu'il était mauvais. Il voulait l'argent. C'est chez lui, là. Jésus allait dormir. Qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Vous qui insultez les gens, le pasteur n'est pas bon. Mais vous. Jésus allait dormir chez le mauvais. Toujours c'est vous qui condamnez. Toujours lui n'est pas bon. Toujours lui n'est pas bon. Bah, il n'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Pour le ramener dans la foi. Jésus ne fait pas des procès. Jésus sauve la mauvaise personne. Ah oui, l'évangile, c'est un évangile d'amour. Pour gagner des âmes perdues à Christ. Il dit quelqu'un avec 100 brebis et une allée comme ça est partie. Il a laissé les 99 d'aller chercher la seule brebis d'aller. La parole de Dieu. Or, le diable va te faire croire que non. C'est ça le diable qui arrive à vous avoir. Il vous miroir votre passé. Tu ne peux pas. Non. Dites, regarde-moi. Je suis en fou de Dieu. Parce que Dieu l'a voulu. C'est tout. Parce que le diable va commencer à vous rappeler quelque chose. C'est ce qu'il a fait. À Adam et Ève dans le jardin. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Il rappelle, ce fruit-là. Elle dit oui. Il dit, mais Dieu ment. Donc le diable vient, il te dit les choses, il te fait douter de cette parole. Qu'il veuille ou pas, le diable est jalouse. Amen. Et par votre position. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Sa destinée, c'est l'enfer. Ça ne se change pas. Un jour, un fidèle priait. On voit, il maigrit. Le pasteur l'a appelé. Pourquoi tu gênes? Qui peut être maigri son nom? Qui n'a pas de faire 40 jours de gêne? Qui n'a qu'à pardonner le Satan? Le Satan n'a qu'à changer. Tu vas mourir. Tu vas mourir.
Baba, parce que non, si le Satan, il dit, si le Satan chante, il va nous libérer, il n'y aura plus de péché. Ouais, lui, il dit le Satan. Le Satan, il va nous posséder. Si le Satan est changé, le bon est ça. Il dit, non, c'est une prière qui va bien exposer. Parce que lui, il est décidé de l'enfer. Pour le guérir la parole déjà. Lui, il a condamné ses filles. Plus de mise en croix pour lui. Mais pour nous, si, c'est possible. Amen. De ton vivant, tu peux encore. Dieu peut t'accorder la miséricorde. Dieu peut encore te positionner. Amen. Donc dis au diable, tu t'en fous de ce qu'il peut te dire. Tu t'en fous. Parce que ta nature, Adam, te condamne vis-à-vis de Dieu. Et Dieu t'a justifié avec le sang de l'agneau. Donc il met cette condition dans ton cœur que tu es enfant. Enfant de Dieu. Or, si tu es enfant de Dieu, l'héritage, ton héritage, l'héritage que le Père t'appartient, ce qui appartient à ton Père, t'es destiné. Amen. Comprenez? Et la Bible dit ici, il était l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ça veut dire que c'est déjà un acquis. Ce n'est pas quelque chose que tu vas négocier. Si vous comprenez un peu. Je ne prie pas pour ça. Je l'ai déjà. Si on me comprend que. Amen. Qui comprend que la gloire du Seigneur? Qui comprend cette gloire? Il y a des gens, il y a aussi des gens qui n'ont pas compris la gloire. La gloire du Seigneur. On dit que c'est ton héritage. Le gars se lève à ma tête de Dieu, ça ne pourra pas aboutir. C'est tout. C'est ton héritage. Dieu, il te protège. Il est dans l'obligation de te protéger. Tu es son fils. Il dit qui d'entre vous donnera-t-il un scorpion son fils s'il lui demande pas? Méchant vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses, à plus forte raison, votre Père céleste. Amen. Le roi de ses bâtiments. Il est trop amour. Il est trop puissant. Que le diable vous dit les choses, vous êtes quoi à ça? La seule chose, il faut changer les positions. Ta manière de vivre, change-la. C'est tout. C'est tout ce qui dirait, change ta manière de vivre. Change tes positions. Repositionne-toi dans le Seigneur. Et tu verras cette promesse de Dieu s'accomplir. La Bible dit là que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de ceux qui le craignent. Et les arrache de pourquoi l'ange t'arrache de l'ange? On dit qu'il campe au-dessus de tous ceux qui le et les arrangent. Tu ne crains pas, mon sorcier va faire sauce. Pas non, pas c'est mon bon frère. Bien frère, c'est bien lourd. C'est platané. Même si à Pima ça va, tu veux marcher, c'est déjà parti. Comment t'es étonné de l'efficacité du copain? Peut-être que vous ne connaissez pas la sauce. C'est pas nous qui avons venu dans le village en voyant. Quand tu vis des moyens, tu dis, moi, je suis amené que je on voit le plein, mais comme ma bouche n'a pas réglé, c'est ça, c'est très efficace. Comment toi, le diable est toujours dans ta maison. Pourquoi? Alors, la Bible dit, à quoi il parle? Toute âme portée contre toi sera sans effet. Quand une langue se lève pour toi, comme toi, Jésus, tu condamnes cette langue. Si je dois faire un procès, j'annule le procès à mon Dieu. Si on me révèle que je dois faire un accident, j'annule l'accident au nom de Jésus. Parce que j'ai ce pouvoir, dans le nom de Jésus, de tout neutraliser. J'ai ce pouvoir dans le nom de Jésus. Je ne crains rien. Car il est avec moi. Le maître est avec moi. Amen. Pourquoi c'est chez toi qui vient loger?
il ne va pas ailleurs. Amen. C'est la question que tu dois te poser. Amen. Or, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tout ce que les craignent. Amen. Est-ce que ce qui est craint Dieu? Vous ne voulez rien faire, sans effort. Vous voulez que Dieu vous protège. Mon œil, je suis désolé. Je suis désolé. Votre part, c'est de craindre l'Éternel. Craindre l'Éternel, ça dit que les larmes, je les crains. Mais je suis seul dans mon coin. Je cherche à mettre la parole de Dieu en partie. Vous m'avez compris? Amen. Ne pensez pas que le prophète Crasso était en train de prier, il met son Jésus dans la poche. Et vous me dites, au revoir Paris, Jésus est parti. Amen. Je Jésus. Au revoir. Vous voulez descendre le Seigneur? Comment c'est pour le Seigneur? Oh mon Seigneur, tu es où? Dans la poche du prophète Crasso. Amen. Je suis désolé. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ, il vient s'installer chez toi. Amen. Il est en toi. Il est en nous. C'est ça que la Bible, Paul dit, Christ en moi. Il en moi l'esprit de la gloire. En moi. Amen. Il n'est pas en dehors. Il est en moi. Amen. Si quelqu'un doit te manger, il mangera Jésus d'abord. Amen. Oh, c'est un chikouya empoisonné. C'est bien qu'on ne mange pas. C'est ça qu'on appelle choukouya empoisonné. Tu peux manger de viande, mais il y a des viandes qu'on ne mange pas. Parce que l'odeur la même, là, ça t'empoisonne. Ton cerveau atteint en même temps. Comment toi, son rejet est en vie? Moi, dès que tu penses à moi, ta tumeur du cerveau. Ta tumeur qui pousse dans le cerveau. Tu ne peux pas penser à moi. Je suis désolé. Ah, on m'a annoncé comment me tuer. Ok, ça n'arrivera pas. C'est ce que vous avez décidé, mais ça n'arrivera pas. Vous avez décidé, mais ça n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Parce que toute âme forgée contre moi sera sans effet. C'est mon héritage. C'est à moi d'accepter. Si j'accepte, ok, la parole s'accomplit. Mais si je doute de cette promesse, c'est une promesse. Et Dieu l'accomplit tout le temps, tout le jour. C'est pour toi cette promesse. Pourquoi avoir peur? Ok, je peux te dire, c'est normal. Combien délivrer quelqu'un qui a possédé? Combien prier pour quelqu'un qui a possédé? Mais il ne parle pas à Jésus. Il est avec vous, Jésus. Je ne le prends pas et je ne parle pas avec lui. Il est le prophète. Jésus. Il est où, Jésus? J'ai bien frayé pendant qu'on faisait les livres. Il voulait me parler, c'est mieux je vous crie, pardon. Lève-toi. Lève-toi. Je ne mets pas en parler à ce gars qui est en haut là. Lève-toi. Je suis un être humain. Même si je suis son serviteur. Attends. C'est devant Dieu qu'on se mange. J'en sais jamais qu'on se mette sur le genou devant moi. Je suis qui? Je suis désolé. Vous avez demandé dans la présence de Dieu, mettez-vous en genoux. C'est le symbole d'humiliation. Il est le roi. On parle au roi à baisser comme ça ton prix. Qui croit qu'il a Jésus-Christ? A Dieu dans sa vie. Amen. Est-ce que vous m'avez saisi? Hein? Vous avez saisi ce que j'ai dit? Vous n'avez pas saisi? J'ai quelqu'un qui est fort. Moi, tout le village, tout Paris, toute la France, toute l'Europe, il dort avec toi. Et tu as peur. Moi, tu dis, tu es fou. Les gens lui craignent. Oui. Lui, il est avec toi.
Lui doit commencer à avoir peur de lui. C'est lui-même qui va te quitter. Et tu ne lui fais pas confiance. C'est comme ça avec Jésus. Il est avec lui, il voulait banaliser. Mais le vieux l'a dit, mon nom est sorti dans Canaries. Le premier champion, manger. Tout a forgé contre toi. Moi, j'ai vécu un accident grave en 2015. Moi, il était parti. J'ai vu la mort en live. Bébé. Ma voiture a quitté l'autre voie de l'autoroute. C'est en deux voies, deux sens. Quitté là, elle s'est jetée de l'autre côté. Il y avait un cas qu'on appelle KS. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire qui venait de la ville. Les gagnants qui partaient sur Abidjan. Moi, j'ai vu dans le centre d'Abidjan, pour aller à Dibou. Je sais comment c'était programmé. Donc, la voie qui, comme ça, ça traverse et ça part. Donc, le cas, j'ai senti qu'il m'est à tirer ma voiture, à ramener sur l'autre voie. C'est pas fini. Écoutez la fin du témoignage avant d'acclamer. Donc, le diable, il a toujours un plan B. J'essaye ça. Si cela va marcher, bon, ça va marcher. Pour nous, ça fait fini. Il t'aimait. Ça m'a passé la route. Tout le temps, ça réduit encore la même action. Je sens encore la main de Dieu. Mon chauffeur, il tremblait. Non, c'est parti. Et je suis revenu comme une toupie. Et c'est parti encore. Encore revenu. J'ai dit au chauffeur, tiens le volant. On va s'en sortir. Je lui ai dit, c'est là qu'il y a vu que ceux qui mordent, même dans ce ils voient la mort venir, tout ça. C'est moi, atroce. J'ai dit, moi, mourir dans ce temps. J'ai chassé Jésus de son trône au ciel. S'il y a lui là-bas, je monte une rébellion, je quitte le trône. Il y a que ça. Il n'est pas fétiche. Et puis, accident, me tue. J'ai dit, tiens le volant, c'est pas fait pour moi. J'ai fini de manger les DVD, les placadilles, tout ça. Après, il y a tous les choses. Il est mouru dans mort, je souffre, il meurt. Le jour où on se voit, par là, on va faire la balle. C'est une trahison. Moi, je le prends comme mon père. Il y a des choses qui ne doivent plus vous arriver. Je suis désolé. Je ne vais pas parler franchement. Il est notre père. Il dit, ce n'est pas fait pour moi. Et je suis revenu la dernière fois, c'est jeté dans le ravin. Tous les gars, et elle là. Mes parents, et elle là. Tout mon gars. Mais chercher. Qui est mort? Tu regardes l'action, tu te dis quelqu'un est mort. Moi je sors, je commence à filmer la voiture, je filme. Mais qui est dedans là-bas? Monsieur, qu'est-ce que tu vas dire si t'en fais les mecs? Mon chauffeur me soigne, les gars. Et tu salues. Il nous a aidé à faire sortir la voiture. Il les a évangélisés. Je n'ai plus dit prophète, ça allait déranger un peu. C'est pasteur, ils connaissent, non? J'ai plus le titre de pasteur, ici pasteur. J'ai vrai même. Ah, parce que c'est qu'ils ont vu. Hein? Ils ont vu ça clair. Ils ont vu vrai, vrai. Hein? Maman, nous l'a choué. Mes parents sont étonnés. Hein? Maintenant, je peux m'aller de Jésus. Il dit, c'est Jésus qui fait ça. Ah, il dit, ah, Jésus là, c'est vrai, 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 vrai,
accident. Et ce qu'il a déclaré, il est arrivé. Toute langue qui se lèvera contre toi, justice, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est mon héritage, c'est déjà acquis. Quand je dis Amen, j'ai déjà ce bouclier là devant moi. J'envoie l'homme sur lequel ton sorcellerie, ça ne me prend pas. Il est donné. J'ai envie de manger, va acheter des viandes chez Boukari. Au marché. C'est moins cher. La viande là-bas. La charcuterie là-bas, il va acheter. Va acheter ta manger. Moi, je ne suis pas mangeable. Amen. Changez votre pensée. Voyez votre couple enfant de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. Ne soyez ne venez plus à peu près avec la chrétienté. Avec cette histoire de Dieu. Plus d'à peu près. M'a bien saisi. Tout à fait. Vous comprenez? L'année 18, 2018, c'est pour vous. Dis amen. Amen. Qui croit ça? C'est parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Le 54 là, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et dit, tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et la frayeur n'approchera pas de toi. N'est-ce pas la frayeur? Amen. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi. Quiconque se liguera contre toi. Mais tombera sous ton pouvoir. Je ne peux pas acclamer le Seigneur. Il dit, tombera sous ton pouvoir. Le Seigneur n'a pas dit, sous mon pouvoir. Non, il dit, toi ton pouvoir. Parce que tu as une parole, il t'a légué le pouvoir. Et cette parole, l'autorité que Dieu t'a donnée. Face à une situation, vous faites des déclarations. Tombera sous ton pouvoir. Légué. C'est l'œuvre contre toi. La nuit, tout son souhait, c'est de te voir mourir. Il y a des gens, leur rêve, c'est de te voir mourir. Et ils conspirent des choses contre toi. Pourri. Parce que tu entends les bonnets. Moi, je les attaque tous les jours dans mes prières. Amen. Si tu m'as raté, je ne te loue pas. Ça, c'est la vérité. Si je sais que tu es contre moi, j'ai délégué les esprits sur toi. Il y a des révélations, je n'ai pas trop donné, mais pas trop près de ça. Amen. Amen. Il faut être un homme d'esprit pour comprendre ce que j'ai dit. On dit un esprit malin venant de l'Éternel est rentré en sa rue. Parce qu'il avait de mauvaises pensées pour David. Amen. Vous pouvez commander un esprit de rentrer, demeurer quelqu'un, et ça peut s'accomplir. Amen. C'est tout. Dieu est avec vous. Tout ce que vous déclarez, ça va arriver. Tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sur ton pouvoir. Tu veux me manger? Ils vont te manger. Je commande à la confrérie d'avoir envie de te manger.
Ils vont te regarder et dire, mais attends, toi, maintenant, tu es mangeable, laisse mon fils. Comment tu manges? Hey, non, non, non. Il faut que j'aille mon fils sur ta claque. Oh. Barbecue, dis ça. Akeke Abodjama, demande-moi si vous voulez. Tu connais Akeke Abodjama, c'est pas beau Akeke, dis ça. Abodjama, c'est une spécialité. Gros grain. Vous avez 2 heures du temps pour finir la viande. Marie. Comment tu veux manger? Tu fais quoi? Tu ne passes même pas mes enfants? Tu ne passes même pas. Pourquoi c'est moi qui veux manger? Amen. Pourquoi avoir peur du combat? Vous avez déjà la victoire dans ce combat que le diable a déclaré contre toi. Tu as déjà la victoire. Tu te lis comme pour moi. Je demande à la confrérie de te manger. C'est tout. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Le jour où tu souhaites mon malheur, j'envoie des temps de malheur sur toi. Comme tu aimes ça. Comme tu aimes ça. C'est le retour d'envoyer. Tu vas comprendre que ce n'est pas bon. Et tu as fait quoi? Tout ta pensée, je ne vais pas échouer. Pourquoi? Tu as changé de position. On dit, David, il vivait chez Saül. Et du coup, les choses ont changé. Il a commencé. On dit, regardez, David est mauvais, c'est ce que la Bible dit. C'est à lui, on donne 10 000 et à moi, les 1 000. La sorcellerie a commencé. Regardez les humeurs des gens qui sont à elle. Vous allez comprendre un peu leur position. Moi, une fois, tu changes de chance. Non, moi, je ne suis pas à négocier. Les amitiés, je ne négocie pas ça. Je connais, je ne négocie pas amitié. Tu changes de chance. Si tu m'énerves, il est passé ta journée. Papa, il a dit ton conseil. Tu changes de chance. Tu n'as pas changé d'ensemble. Je ne suis pas Jésus ou ma chère Judas. Le jour où il m'a osé lui demander, pourquoi, monsieur, ta ma chère Judas n'est pas votre. Il a négligé Judas, je n'ai pas vendu. Je ne suis pas Jésus, ma chère. Tu t'es Judas, tu te chasses. Tu vas me vendre. Tu ne vas pas changer, tu vas forcément me vendre. Et Dieu vous montre l'esprit des gens qui vont pour toi. Ils sont dans votre âme. Votre problème est de ma femme d'ailleurs. Et vous allez prévenir les gens de votre maison. Amen. Que quand mes enfants spirituels vous changez, je vous chasse mon ministère. Allez, je ne vais pas laisser l'homme de Dieu. Allez, allez. Tu changes, hein, moi, je change, tu quittes. Voilà. Et tout, je dis aux gens, quand vous venez m'aider. Je ne mange pas quelqu'un qui va venir bouffer l'argent du ministère. Je mange quelqu'un qui va venir m'aider, me faire avancer. Amen. Si je vois que tu viens, tu ne m'aides pas dans le ministère. C'est un problème, tu m'envoies, faut quitter. Amen. Je ne veux pas avoir de problème. Quitte mon ministère, quitte. Bye. Pour ça, quand je marche avec les gens, je les observe très bien. Amen. Moi, je ne me laisse pas séduire. Ah non, 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 non. Parce que celui que tu négliges aujourd'hui, là, c'est ton. C'est lui qui va te montrer qui a mis sur ton berger demain. Amen. Qui a mis sur ton papaye? Qui va te montrer ça? Pourquoi tu es un moi? Si tu n'es plus un moi, tu en es lui. C'est tout. Si tu l'avais toi, il va te faire avancer. Amen. Ne soyez pas dans l'histoire des sentiments. Non. Et une position nette. Il change, Dieu dit, tu n'es ni chaud, ni froid, moi-même Dieu t'ai promis, quitte devant moi. Amen. Vous avez un parent qui a une position bizarre. Allez, quitte, dégage. C'est vous qui avez créé l'homme. Dieu même dit, cherche. Pourquoi Dieu ne transforme pas tous les hommes? C'est celui qui veut changer, Dieu le change. Tu connais le cas de l'homme.
D'abord, l'homme d'abord qui écrit, c'est sa nature. Ça. Amen. Il va faire semblant de venir vers toi, or il n'est pas avec toi. Or, quand tu dois tout, sa vraie nature. Ouais. Faut changer. Amen. Dieu a dit à Caïn, ce que tu es en train de penser, c'est en train de venir. Hein. Oui. N'est-ce pas? Il avait déjà averti Caïn. Est-ce que Caïn n'a pas dit la même? Il n'a pas fait. Bien qu'il est averti par Dieu. Donc, pourquoi tu n'as pas empêché? Vous comprenez, comme vous lisez la première sorcellerie, c'est quand Caïn a tué Abel. La jalousie, c'est la sorcellerie. Amen. Les deux frères, chacun fait son offrande. Dieu apprécie l'offrande de Caïn, Abel. Caïn construit des choses. Dieu dit le péché à ta portée. Il faut surmonter ça. Il n'a pas tué. Amen. S'il vous plaît. Il y a des gens qui ont voyé leur position, ne les fréquente plus. Amen. Ne les fréquente plus. Je pense que salut, bonjour. Tu n'as plus, je n'ai plus besoin de toi. Bonjour. Parce que la vie, je continue. Bah, point bah. C'est quand vous ne dites pas l'église, c'est ce que je vous dis. Vous saluez, amen. Salut mon frère, ici c'est mon frère. Ah oui. Vous connaissez ce que nous les frères en Christ, asseyez-vous, faites des bisous. Des bisous de Jida. Mais Jida fait un bisou à Jésus. Mais oui, c'est vrai. Il a fait un Jida, il a fait ça pour montrer. Moi, je suis sincère. Quand il est supplié à toi, il te montre ma position. Oui. Moi, je suis comme ça. Il est supplié avec toi, il te montre qu'il supplie à toi. Je suis désolé. Ma vie là, c'est Jésus. Sans toi, il avance. Amen. Moi, personne. Nul indispensable devant mon Seigneur. Le jour où m'abandonne, c'est fini. C'est pour ça que je fais en penchant mon entourage, je regarde. Regardez dans le service dans lequel vous êtes, ceux que vous fréquentez. Il y a des gens qui sont des agents du diable, qui vous fréquentent, qui sont l'absence d'une information, qui ont bien changé de position. Et le discernement. Il faut que d'autres personnes quittent ou que d'autres personnes entrent. Vous allez voir que quand vous êtes bon, il y a beaucoup qui vont quitter votre vie. Quand Jésus mourait, quand il montait au ciel, il y a des milliers de personnes qui le sauvaient. Il y en a eu 120 retrouvés dans la chambre. Les vrais disciples. Jésus, eux, ils ont appuyé pour faire l'église. Cette église primitive. Il faut étudier la parole de Dieu, tu veux comprendre. Ils étaient tous avec lui, mais ils n'étaient pas avec lui. Ils marchaient avec lui, ils n'étaient pas avec lui. Ah mon frère, moi j'ai fini, j'ai fini. Si ton cœur, ta bouche, il grandit, Seigneur, même en cardinal, c'est riche. Et les gens ne savent pas pourquoi ça vous grave, vous pouvez parler seulement. Allez. Ah. Quand vous parlez trop, vous démystifiez. Les gens ont peur de celui qui parle moins. Amen. Quand tu parles moins, ils ont peur de toi. Vous n'avez pas remarqué, quand il ne parle pas beaucoup dans un coin, lui là, il est comme ça, il est bizarre. Moi, il est bizarre. C'est bon, on le prend bizarre. Comme ça, il fait peur. Quand quelqu'un ne fait pas peur, on peut le manger dans ce monde. On le joue à lui. Oh, vous pouvez être bizarre. Vous pouvez effrayer la sorte des gens. Si les effrayer pas, ils vont t'effrayer. Que Dieu nous aide. Amen. Ah, il ne peut pas qu'on fasse aux gens sans raison. Je suis désolé. Tu as raison, papa. J'ai compris ça parce que le Saint-Esprit m'a enseigné ça. Personnellement. Mais ça m'a toujours donné raison. Il y a des enseignements. Il y a des choses que la Bible nous apprend. Et puis il y a des expériences que vous faites personnellement avec Dieu. La vie, l'école de la vie. Vous voulez commencer? Faites des tris. Moi, j'ai commencé sur Facebook, là, ceux qui n'ont jamais liké mes publications, j'ai fermé sur Facebook. Amen. Ah, la vie de Facebook, en fait. La vie de Facebook. Amen. Amen. Tu es dans Facebook, tu ne dis même pas bonjour. Tu es amené comment? Tu cherches quoi pour être ami? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? Il y a fait. Heureusement que Facebook l'a mis bloqué
ou bien on dit qu'il n'est plus ami retiré. Ils font des choses. Ils ont passé à ça heureusement. Pour le bloquer, pour mettre la carte, retire-le de tes amis. Qu'est-ce que vous avez passé? Parce qu'il y a des gens qui viennent pour être sûrs. Qui a accepté tout le monde? Et puis les étendus vont pirater votre compte. Il y a toujours un problème. C'est comme ça. Donc, déjà en 2018, faites un dit, ma chère, lui, là, sa tête ne m'apporte pas trop de bonheur, il faut que. Oui, ma chère, il n'y a pas chance. Mais, la fréquentation ne devait pas avoir. C'est mon frère, c'est ma soeur, chacun a une destinée. C'est mon fils, c'est ma fille, tu changes de position, je ne suis pas avec toi. Amen. C'est le conseil généraux aujourd'hui. C'est dans le bilan. Faites un bilan. Asseyez-vous, réfléchissez à ce qui est en train de se passer dans votre vie. Il y a des gens qui devaient exclure de votre vie. Vous pouvez parler avec eux, leur dire bonjour. Mais intime. Je suis désolé. Je ne suis plus arrêté jusqu'à aujourd'hui. Je faisais confiance quelqu'un, j'ai été empoisonné, s'il vous plaît. Deux fois. J'ai des pasteurs. Deux fois. Je n'ai pas envie d'expliquer les choses pour choquer ceux qui sont nouveaux dans la foi. Voilà. Donc moi-même, là, il y a des choses que je ne fais plus. Amen. Quelqu'un ne change pas. Jésus a dit, décidez qui vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons. Si tu ne rentres pas dans cette vision, tu n'es pas chez moi. Tu n'es pas fait des méchants. Tu n'es pas à moi. C'est que tu es là-bas. Et si tu es là-bas, tu vas me prendre pour m'envoyer là-bas. Donc je t'évite. C'est comme ça. C'est un sentiment. Les enfants, vous avez le sentiment. Là, c'est eux, ils vont manger tes mains. Pour t'avoir, ils vont te mettre quelqu'un. C'est la personne. Tu as plus de compassion, c'est elle qu'on met dedans et qu'on cherche à te manger. Ah. On te tire ta chair. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Ceux qui viennent pour le lire, mettez-vous avant rapidement. Mettez-vous avant rapidement. Le livre et le CD. Est-ce qu'on m'a bien saisi ce qu'il a dit? Amen. À bon entendeur, ton mari, toi et ton mari, monsieur et madame, on peut comprendre un bon frère en Christ, mais la petite famille, là, c'est celle qui est votre famille. Le reste, s'ils sont gnéli, annulez-les. Je préfère être distant et puis prier pour toi. Amen. Si le Seigneur t'a changé, il n'a pas de changer. Dieu lui-même ne se sépare des gens. Comment vous comprenez ça? Dieu lui-même ne se sépare des gens. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Oui, juste un peu. J'ai tellement déjoué des pièges de la sorcellerie que je suis devenu un homme très prudent. La prudence, si vous jouez ça, vous êtes un homme mort. Amen. Amen. Faites attention à ce que vous côtoyez, ce qui vient dans votre intimité. Regardez ça. Le discernement, c'est ça surtout. Oui, tu ne viens pas dans mon Jésus. C'est que tu as rien là. C'est tout. Non, on n'est jamais neutre. Si tu n'es pas dans le fait de Jésus, tu es chez le diable. C'est tout.